vous remercie à vous tous d'être là ce soir. 혜수가 축하할 춤 아이스테이크 대표님을 정말 아이소드리고요. Un grand merci à Monsieur le directeur de l'Institut Comitas et à toute son équipe. Un grand merci à l'ambassade de France en Arménie et l'ambassade d'Arménie en France qui nous ont accueillis à Paris. 혜수가 축하할 춤 우리 코미타스 참가자 인스티튜트 노래니 인스페스나의 카스카가 초라가는 중 안쪽 초라가는 중 하야스타는 프랑스의 에스파나다나 옛 프랑스의 하야스타의 에스파나다나 모르카스마 길베스 아이데르 토나는 중 옛 아이스테르 토나는 중 La musique, c'est une histoire de rencontre. 예라 주투나 다 오브레만 한디판 니바드 중에 C'est pour cela que vous ne devez pas être étonné que des Françaises chante la musique arménienne. C'était l'histoire d'une rencontre il y a 3 ans, le 24 avril 2015, où nous avons été invités à Strasbourg pour chanter à l'occasion des commémorations du génocide. Strasbourg, Kavakon, Gortes, Mestrabiri, Ureman, Yerani, Tarelitsi, Hamar, Yerkel, Komitasi, Meridine. Et nous avons été invités parce qu'il y a parmi les chanteuses de voix de Stras, Gaya Nemovsisian, qui est arménienne. Yes, Meri, Gaya Nemovsisian, Alors, pour nous, c'était tout naturel de partager avec elle ce moment important du 24 avril 2015. Et de participer et donc de partir à la rencontre de la musique arménienne. Mes hamar liobin benakamesh hayu het isel ait uzain ba yev in het miasi matutsane ait tuka ait tareliti napaktutyan yev yerkel vechenis mastaktutyan ait ore. Peut-être vous avez certainement entendu des accents français ou la façon française de faire, et j'espère que vous ne nous en porterez pas reproche. Et donc voilà, c'est avec tout notre cœur que nous avons plongé et découvert la musique arménienne, la musique des Charakans et la musique de Komitas. Շատ հավանական է որ դուք հայտնաբերել եք ինչ-ինչ ֆրանսական ակցենտներ ունեք մեղեդիների մեկնաբանության, բայց կարծում եմ, որ դա ամենևին պատճառ չէ, որ մեզ հանդիմանեք, կարծում եմ, որ կգնահատվի հենց այն պահը, որ երկել ենք իսրտե, երկել ենք լիովին Կոմիտասյան ձևով Կոմիտասի մեղեդին և Կոմիտասի շարականներ։ Je dois dire qu'après cette rencontre, j'étais vraiment étonnée qu'un musicien comme Komitas, je ne le connaissais pas avant, je dois le reconnaître. Et c'était une véritable coup de cœur aussi pour cette musique, avec une couleur très particulière, et des harmonies, des mélodies, et la langue aussi, le plaisir de découvrir la langue. Donc nous sommes très heureux de continuer maintenant ce programme avec deux autres pièces, deux pièces de Komitas et deux autres Charakans. Երկու շարականներ և ուզում եմ անպայման նշել, որ երեք տարի առաջ այս հանդիպումից առաջ ես Կոմիտասին բոլորը չէի ճանաչում։ Այդ ձեռնվեց, որպեսզի ես բացահայտեմ վերջինիս չնաշխարհիկ մեղեդիները, կարողանամ ձևավորել այս խումբը և այսուհետ մենք միասին միշտ կշարունակենք աշխատել Կոմիտասյան կտրվածքով։ Oh,
une classe, je leur parle d'un autre musicien qui avait une démarche similaire, Béla Bartók. Yes, mulțumim că ați venit ca să-ți venit o comitasă. Ai discutat ce rog, mai Andra Garten-Cavanu, Béla Bartók. Cette attention à la musique qui a des racines, à la musique traditionnelle, plutôt populaire chez Béla Bartók, et ensuite le compositeur qui transforme et qui en fait un objet musical, une œuvre d'art. Béla Bartók, care o anume, ASCAI, tradițion, e această tradițion, e femenedin, periatel, mai spusima, parte dacă vorbim, dar nu, dar nu, a venit în galerie, a venit Marcelli. Nous allons maintenant vous chanter deux chansons de Béla Bartók. La deuxième, c'est une demande en mariage. Et la première, elle reprend un thème qui résonne aussi certainement aux oreilles des Arméniens. C'est le thème de l'Eros. Catalan Béla Bartók e din Melenie. E gros, e gros, e gros, hai spune anunțul țean a treba. Isk aracina e vrșa tamo gunce a hai anunța de tinoa. Սրտի գաղտնիքները։
cette première partie. Avec cette première partie de programme européen, nous avons abordé l'aspect de la musique traditionnelle. Et maintenant, il y a un autre aspect que je trouve passionnant dans la musique de Komitas, c'est comment, à partir de la tradition, apporter la création. Et comme c'est la spécialité de Voix de Stras de faire de la musique d'aujourd'hui, de travailler avec des compositeurs, nous allons vous présenter l'œuvre d'un compositeur français qui s'appelle Lionel Ginoux. Et cette œuvre s'appelle Make Me a Dream. Make Me a Dream, Lionel Ginoux. Juste avant Make Me a Dream, une autre pièce française de Claude Debussy, car cette année pour la France, c'est l'année Claude Debussy, nous fêtons le 100e anniversaire de son décès.